Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reproduire les cascades de Naruto. Et pour ce challenge, on a invité Vintage Tran. On vous explique tout de suite les règles du jeu. Mel va nous présenter les cascades qu'on va devoir reproduire. Sauf que cette fois-ci... Je serai la seule à juger si la cascade est réussie. À chaque échec, la punition sera de plus en plus vénère. Ça va fouetter là aujourd'hui. Vin, pour cette première scène, tu vas devoir faire une roue. J'ai un quiz pour toi. C'est qui ce personnage? C'est moi. Ah ouais, avec des couettes. Ça s'appelle Tenten. Je vais te balancer des étoiles ninja. Tu vas devoir les esquiver et ensuite tu vas devoir faire une roue. Mais moi je sais pas faire une roue, wesh. Si tu sais pas faire une roue, c'est juste mille ans de souffrance, mon pote. Mille ans de souffrance. Je vais le défoncer. 1, 2, 3. Non mais. 1, 2, 3 et tu lances. Je voulais tester ses réflexes. 1, 2, 3. What the fuck. 5 essais pour la première cascade parce que Mel ne s'est pas lancé. 1, 2, 3. Hop, c'est vous. Yes. Wow, c'est facile. C'est validé. Movie versus réalité. Let's go. C'est au tour de Charles. Je t'avoue qu'on ne t'a pas fait de cadeau. Actuellement, là, je suis Kakashi, les gars. Ouais. Kakashi voilà. Mou. Il enchaîne 3 flips arrière. Le mec est quand même quasiment en souplesse arrière. Les gars, ça fait mais des années que j'ai pas fait de flip arrière. Je vais me péter le dos. On a Temari et Rock Lee qui se battent et qui enchaînent 3 flips arrière. Et c'est un plan séquence, bébé. Et c'est un plan séquence, bébé. 1, 2, 3. Ça, c'est la visualisation mentale. Vous croyez que je suis ridicule là? Non. Parce que là, les gars, premier essai, le seul et l'unique, ouais. Ça va être calé direct. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de flip arrière. Ça fait 1000 ans de souffrance. Validé les gars. Le mec il exécute à perfection, là je suis jaloux hein. Vin, pour cette cascade là, tu cours, tu sautes. Un salto avant, tu te rétames comme un petit caca. Tu peux commencer tranquille en faisant plongeon roulade. Mais attends, mais je le sens pas. Hein. T'es heureux d'être là? Ah, je vais mourir. Tu vois ça, ça, ça? Ton dos, ça. Bah, moi, je commence à avoir de l'adrénaline, là. J'entends son cœur d'ici, on dirait de la dubstep, frère. Après, je rigole, mais moi, ça me va parfaitement d'être blessé, en fait. Bim! Ah, putain! Ça passe! Allez, bim! Ah. Je vais trop loin. Au début, j'étais genre zéro probabilité de le faire. Mais là, je me chauffe de plus en plus. Chapeau, parce que moi j'aurais déjà abandonné, j'aurais déjà pleuré, j'aurais pris ma claque direct. Oh oui, oui. Oh. Ok, je vais mettre la toge. Allez, c'est et parti. Et on fait la cascade. Movie versus réalité, on va voir si c'est validé. Let's go. Allez, encore un essai. Encore une et c'est encore la dernière. Si là je me foire, y a pas de soucis, je prends ce qu'il faut. J'ai pas atterri, c'est pas grave. Félicitations parce que franchement les gars c'est pas facile psychologiquement. Je suis en train d'enlever son gant, il dit bravo. Je prépare la zone de chauffe. Allez. Oh. Marque rouge qui va se dessiner dans quelques minutes. J'espère qu'on va pas atteindre le niveau 2 ou 3 parce que là sinon on va pas finir la soirée en bonne santé les gars. Celui-ci, c'est l'attaque de l'air. Charles va devoir faire un salto arrière tendu et réatterrir sur une branche et glisser en arrière. Ah, ça grésille. Là, tu veux que je fasse un salto arrière et que j'atterrisse dessus. Mais les gars, mais... Je n'ai en aucun cas envie de me prendre la claque dans le dos. Donc, je vais devoir accepter le challenge et risquer la blessure. Le personnage de la vidéo, c'est qui, Charles? Kakashi? Naruto? Itachi? Ah, c'est Katsuki! Katsuki? Katsuni? Sasuke! Sasuke, bah oui, voilà, Sasuke. C'est sûrement la cascade la plus dangereuse que j'ai faite, là, ouais. Non, mais c'est que j'ai clairement pas confiance, là, j'ai peur, hein! Si t'y arrives, t'es un connard, quoi! C'est super chaud! Ah, mais je ne vois pas la réception! C'est un Kinder Surprise au goût amer de la défaite et de la cheville! Oh. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on ferait pas le split screen movie versus réalité? Allez, let's go. Oh, ça m'a pété le cul. Extrêmement bien validé. Du coup, nous passons aux cascades suivantes.
Vin pour toi. Ouh là 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 là. C'est quoi ça? Je sais même pas faire enlever nuque, mais what the fuck. Tu mets tes mains sur un module, rotation avant, et t'atterris. Mais moi je suis pas bon en rotation avant, donc ça va être chaud. Le visage du seum. Est-ce que la force du shonen est en toi? Non. Non. Oh non, mais alors, Vin, bien sûr que tu l'as. Tu l'as. Mais moi je vais me perdre dans l'espace. Ce que je vais faire, c'est, je pense que je vais faire 3 essais. Ouais. Je vais pas en faire plus parce que je sais que je vais avoir trop envie de dégueuler. Vin, il cherche juste des excuses pour se prendre des petites fessées. Hein. Surtout que la prochaine fessée, mon gars, elle est majestueuse. Je vais faire un salto avant et sans toucher le sol, je vais mettre une claque dans le dos. Vin, tu vas prendre. Les gars, je veux un maximum de pouces bleus pour Vin parce que là, ça lui demande énormément de ressources psychologiques, de force mentale. C'est vraiment pas facile. Oh là là! Rien compris. Oui. Pour le dernier essai là mec, c'est l'esprit shonen qui t'envahit. Sharingan. Oh, oh. J'étais rien à voir dans les airs, mais j'atterri sur les pieds. Oh oui. Allez, si, mec. Yes. Eh hey, franchement, hey, putain mais. Je quitte cette vidéo, c'est terminé. Dernier essai de Vintage, s'il arrive à rester sur les genoux conformément à la prise de Naruto, il n'y a pas de claque. S'il n'arrive pas à rester sur les genoux, c'est la claque dans le dos. Oh yes. J'ai réussi. Charles Poupou, Charles Poujade, Charlou, tu as un double salto. Quoi? Qui se termine par... Non mais rien, arrête-toi là. Double salto avant les gars. Ça fait combien d'années que j'ai pas fait double salto avant? Surtout que je pense que c'est pas. Attends, avec mais... le petit trompeau comme ça. Moi le salto avant, c'est même pas ça fait combien d'années, c'est... Je l'ai jamais fait. Alors bon, hein. Je suis en dépression à côté. La claque arrive à grands pas. Je vais me faire éclater. Alors déjà les gars, j'ai fait la moitié de l'acrobatie. J'ai la tête qui tourne. Oh. Mec, j'ai cru que j'allais saigner du nez. Centrifugeuse. Frère, oh. Je suis paumé, j'habite où? Oh, il y a des lutins au ciel, oh putain. Si j'arrive pas à taper le tapis en plein dans le mille, je prends ma claque. Allez, movie vs réalité, c'est parti. Oh putain, pas mal celui-là. J'ai failli me faire une nuque, j'ai dégroupé beaucoup trop tôt, j'étais perdu en l'air. J'échauffe mon poignet là. Vin, fais-toi plaisir, 1000 ans de souffrance. Ah oh, ça réveille. Regarde la taille de ta main. Petit aperçu des idées que je vais lui mettre pour la prochaine cascade, regarde. Les amis, j'en connais un qui va se prendre une tarte. Vin, tu es sur un haricot géant, tu plonges cette première, t'atterris à un bras et tu relances à un bras. Mais c'est physiquement, humainement impossible. Déjà, je viens d'apprendre le saut de main. À deux mains, là, je vais le faire à une main. Vous êtes mignons, là. Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas mauvais. Tu t'en sors vraiment bien, mais pas assez pour que t'échappes à la baffe. Eh ben écoutez, movie vs réalité, c'est parti. Depuis tous les essais, j'ai trouvé que celui-ci c'était le mieux réalisé. Le moins rincé quoi. Le moins. Mais allez, prends ta baffe mon gars. Est-ce que tu préfères le salto avant baffe ou est-ce que tu préfères le méga mur baffe? Vas-y, le méga mur baffe, j'ai envie de voir. Le méga mur, c'est quand même la signature de Charles. Hein. Quand tu vas me claquer, je vais essayer d'être. Ça dure. Impassible. Mais t'as pas tapé là. Mais si, j'ai tapé. Putain. Regarde. C'est rouge ou pas? Non. Parce que moi je le sens bien là. Les gars. Pour cette scène là, tu arrives en Superman, tu fais un salto avant et tu te récupères à une branche. Déjà sans salto. Je crois que j'ai une idée pour la baffe numéro 3 si tu n'y arrives pas. Vas-y, motive-moi, motive-moi, vas-y. Je vais partir de là-haut. Je vais te sauter sur un plat et en même temps. Mais mec, mais je préfère mourir me prendre la barre 10 fois dans le crâne plutôt que me manger ça là. Oui. Bébé. Si je ne réussis pas cette figure, je vais me prendre moi-même 1000 ans de souffrance.
Ouais, putain, c'est pas eux. C'est un coup de là. Oh, oh, il est tellement violent. Disloquer les épaules, j'ai entendu clou clou. Movie versus réalité, let's go. Oui. Kakashi résistera à la grosse baffe extrême, mais peut-être pour la prochaine fois. Retrouvez tous les réseaux sociaux de Vin dans la description. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été le fou avec nous. Merci à vous, c'était trop cool. On se revoit très rapidement. Abonnez-vous à Charles et Mélanie. Peace out. Ciao, ciao les amis.